On voit bien que ça ne nous fait pas faire d'économie les soldes, ça nous fait surconsommer. C'est le plaisir d'avoir plutôt que le plaisir d'être. Et la mode, c'est être, c'est pas avoir. Chez 1083, on fait pas les soldes, parce que sur les produits non saisonniers, les soldes n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens et coûtent cher au niveau environnemental, parce qu'elles engagent tout le monde dans la surconsommation, et on voit bien à quel point c'est délétère. Et elles coûtent cher aussi à nous toutes et tous en tant que consommateurs, parce que pour réduire les prix 2 mois sur 12, au moment des soldes, il faut les augmenter 10 mois sur 12, pour contenir dans les prix d'origine la marge qu'on va perdre lorsqu'on va faire une remise pour les soldes. Donc c'est pour ça que quand on fait des produits non saisonniers, c'est bien plus intéressant de vendre des articles au même prix juste toute l'année. Comme ça, le consommateur s'y retrouve. Un vêtement qui vaut 100 euros en janvier, il vaut 100 euros en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Et puis nous, au niveau industriel, on n'a pas d'intérêt à provoquer des pics de consommation, parce que ça voudra dire provoquer des pics de production qu'on ne saurait pas bien gérer. Donc en fait, tout concourt sur des produits non saisonniers à pas faire de solde, c'est ce qui est vraiment le plus constructif, le plus durable. Acheter des vêtements de qualité, ça représente un coût. Amorti sur long terme, c'est pas grand chose, mais quand il faut sortir 100, 120, 130 euros pour un jean, on comprend que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'on a développé le financement en 3 fois sans frais. C'est pour ça qu'on a sorti le jean essentiel à 99 euros qu'on trouve sur nos sites internet. Et enfin, toute notre collection de jeans second choix ou de fin de série qu'on retrouve en magasin ou sur internet à des prix plus abordables.